Et livreur Ikea qui m'appelle pour me dire on est là dans 3 minutes. Il est même pas 8h. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Si tu me connais pas, je m'appelle Mai. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et rapide pour ne louper aucune de mes vidéos. J'ai du mal à parler déjà. Le vlog vient à peine de commencer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Il est midi 2. C'est la pause déjeuner. Donc voilà, ce matin, toute la matinée, j'ai travaillé. D'ailleurs, je vous ai pas montré en fait. J'ai reçu mon écran, donc ça, j'ai le double écran, ça fait très professionnel, on adore. À la base, il voulait que je l'achète, mais j'ai dit non, moi j'ai pas envie d'acheter en fait. Donc on va attendre, il n'y a pas de souci. Et j'ai bien galéré à le ramener chez moi, parce que comme par hasard, le jour où il était disponible, bah, votre go, elle avait pas pris sa voiture. Bref, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention au bordel juste derrière, mon appartement est dans un état dessous comme d'habitude. Donc moi je comprends pas, tu ranges, tu déranges en un claquement de doigts en fait. C'est ça la vie, tu ranges, demain mais bon voilà. En vrai c'est parce que j'ai reçu beaucoup de colis, donc les cartons s'accumulent et tout, donc je pense que je vais prendre le temps là à midi d'organiser ça. Mais ouais, je vais vous montrer ce que j'ai reçu parce qu'il y a pas mal de choses. Je vais vous montrer. Bon, déjà, premièrement, très très bonne nouvelle, mon canapé, si Dieu le veut, arrive dimanche. Donc je suis trop contente par rapport à ça. Ça avance petit à petit, donc peut-être que ce sera dans ce vlog. Je pense que ce sera dans ce vlog. Mais enfin bref, aujourd'hui, j'ai reçu, par contre vous m'excuserez, hein, j'ai déjà ouvert, hein, je pouvais pas tenir. Un colis chez, je sais pas comment ça s'appelle, With a New, voilà, With a New. J'ai commandé sur leur site une paire, ma gueule. Tu as peur. Donc, je crois que j'aurais déjà posté sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à rajouter sur Instagram, et vous dites, mais... Je me suis pris une paire de faux. Noir. Ça va trop bien. Ah, j'aime trop. Donc je suis trop contente. Voilà comment elle ressemble. C'est celle-ci. Elle taille hyper petit. J'ai pris du 40,5 alors que je fais du 39 ou du 41,5. J'ai pris une taille au-dessus et ça taille hyper petit. Donc si vous faites du 39 comme moi, prenez du 41,5. Enfin, une taille au-dessus, une taille et demie au-dessus de votre pointure habituelle. J'arrive plus à parler. Donc voilà, ce sera pas au goût de tout le monde, je le sais, mais je m'en fous. Je trouve qu'elles sont hyper hyper jolies. J'avais vu dans la story de Rubaba en fait qu'elle les avait. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en noir elle pète aussi. Donc voilà, très très bien. En plus, ça ira parfaitement avec l'outfit que j'ai aujourd'hui. Donc ouais, premier achat mais faux, on est ravis. Deuxième, pour continuer dans le bail, City Girls, tout ça, ben, je me suis pris des cyclistes, hein. on va faire jusqu'au bout. Donc j'en ai un là actuellement, c'était sur le site de JD, c'est des Nike, donc je me suis pris un noir comme ça. Où est l'autre? Donc je me suis pris celui-là en noir. Il galbe tellement. J'ai pris du S et ma foi c'est bien serré. Et un autre, le même, mais en marron. Mais en marron qui se présente comme ceci. Donc voilà, j'ai pris le même en marron. Ils sont élastiques, mais quand même. Donc si vous êtes si vous avez des plus grosses fesses que moi, franchement, je vous conseille le M. Même moi, là, avec le sport, je t'avoue que je ne sais pas si je vais les garder très longtemps, en fait. Mais vas-y, tranquille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Dans quoi j'ai dépensé mon argent encore? Bah, elles sont où? J'ai oublié un truc. J'ai dû recevoir un autre colis, mais j'ai oublié ce que c'était. Ensuite, sur Amazon,
Sur Amazon, je me suis pris deux sets de fossiles parce que flemme de les acheter sur AliExpress et que ça mette 100 ans. Et en vrai, bah, ça revient beaucoup moins cher sur Amazon. En tout cas, tout ça là, c'était 10 euros. Il y en a 10, 2, 4, 6. Non, 2, 4, 6, 8, 8. 2, 4. Non, mais non. 2, 4, 6, 8. Là, il a mal, je ne sais plus compter. 2, 4, 6, 8. Ouais, il y en a 8. Donc, j'ai pris celle-ci. Un petit peu plus dramatique pour le soir. Et celle-ci, un peu plus light et tout pour la journée. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Franchement, Ali, c'est très très bien, mais les délais là, une dinguerie. Une dinguerie, une dinguerie. Et ensuite, enfin, pour terminer, je me suis pris sur le site de Wolford, parce qu'il y avait les soldes, ce haut-là. À la base, je voulais l'ensemble. J'avais vu dans un vlog de Alias Face. Et j'aimais trop en fait la tenue. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien et tout, faut que j'achète la même chose. Donc il y avait le haut en sol, mais le bas je l'avais commandé, mais ils m'ont remboursé parce qu'il n'y avait plus de. Et puis de taille, je l'ai pris en XS. Ma foi, quand je vous dis que j'ai peur. Si ça va pas, c'est pas grave, j'irai dans un magasin Wolford pour les changer. En tout cas, le packaging, ma foi, est incroyable. C'est pas magnifique. J'espère que c'est élastique ce truc là. J'espère que c'est élastique tout ça. Ouais. Franchement, ça devrait le faire. C'est du XS. Par contre, la teuté là, non, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, c'est un petit crop top comme ça. Et normalement, vous avez le bas. Je vais l'acheter. Hein. Je sais pas quand, mais je vais l'acheter. Ça m'a l'air d'être bien. En vrai, je sais pas. Non, si, ça m'a l'air d'être bien quand même. Ça m'a l'air d'être bien. XS. Il y avait plus de S. Et vous me connaissez, je voulais absolument. Le truc était à moins 50. J'ai dit, c'est mort. On va rentrer dedans. Même si c'est du XS, on va rentrer dedans. Alors, j'ai reçu un autre colis, mais je sais plus ce qu'il y avait dedans. Donc, je peux pas vous montrer. Je sais plus du tout ce que j'avais commandé. Franchement, trop de mémoire. Aucune idée de ce que j'ai pris. Et bon voilà, ça je vais le garder parce qu'on ne sait jamais. Il va falloir que j'essaie quand même ce haut pour savoir s'il me va. Et que je vous montre un petit peu mon set maintenant avec l'ordinateur. Bon, c'est pas fini hein. Mais voilà comment ça rend avec l'écran. Donc j'aime beaucoup. Maintenant j'ai deux écrans parce que celui-là, là, il était trop petit. Donc voilà, un vrai... attendez, je me décale un tout petit peu. Un vrai coin télétravail, bureau et tout. Faut juste que je trouve un truc pour cacher ces fils-là parce que ça me vénère. J'aime pas du tout, du tout, du tout le rendu. Mais ouais, voilà. On adore, on adore, on adore. C'est très mignon, très joli. Donc ouais. Écoutez... Le programme de cette journée, c'est quoi? C'est, bah, à midi, je pense que je vais faire une lessive et je vais ranger mon appart. Ensuite, ce soir, j'ai un pop-up store à faire pour soutenir une de mes potes qui s'est lancée dans la création de bougies. C'était une amie avec qui j'étais à la fac, donc on va lui donner un peu de force. Et j'y vais avec des collègues à moi. Et après, on va se poser et tout. Et puis samedi... c'est l'Aïd, mais je sais pas, cette année j'ai l'impression que les gens ils font rien. En tout cas, ma mère là, elle m'a pas saucé, elle m'a pas dit, ma belle, viens à la maison à telle heure, non, elle m'a rien dit du tout. Donc je sais pas, je vais aller la voir, mais je sais pas du tout ce qu'elle a prévu. Et le soir normalement j'irai voir Adia, et dimanche canapé, et puis ouais, voilà, ça va être très simple. On va rajouter la poubelle, parce qu'il y en a, là, je crois que, non, je plaisante, on va caler la poubelle quelque part, parce que la tête d'homme, ça commence à me hanter, vous me hantez, faites pas attention, j'ai un bouton, voilà, donc ouais, et accessoirement, on va manger aussi ce midi, parce que je commence à avoir un peu faim, et le gars pour ma machine à laver n'est toujours pas venu. Et me ghoste toujours, donc voilà. J'en peux plus. Lucie, j'espère que vous allez bien. On est dimanche.
Il est pas 8h, il est 7h50. Je viens de me réveiller, franchement là. Je suis complètement dans le coltard. Mais vraiment. Et Ivra Rika qui m'appelle pour me dire on est là dans 3 minutes. Il est même pas 8h. Ah mon dieu. Hier c'était l'Aïd. Bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Est-ce que vous voyez ma tête là? Est-ce que vous voyez que je vais pas bien? Bonne fête de l'Aïd à tout le monde. En retard, je vous ai même pas parlé sur les réseaux. J'ai pas eu le temps. Enfin bref. Hier, j'ai profité de ma journée, c'était grave bien. Je suis partie voir ma mère et tout. On a grave kiffé. Je suis partie voir mes parents et tout. J'ai fait 2-3 petites choses en plus. C'était génial. Et je suis rentrée et je me suis couchée. Il était quand même 3h du matin. Et quand j'ai passé ma commande IKEA, je me suis dit, mais vas-y, je vais la passer tôt. Comme ça, je suis pas là en train de galérer. Mais je vous avoue que je pensais pas qu'ils allaient aussi tôt. Et quand je vous dis que je suis dans le coltard, c'est que le gars m'a réveillé. Hein. Mon alarme était pour 10h. Je me suis dit, entre 7h et 11h, j'ai moins arrivé à 11h. J'aurais le temps de ranger, quincan, tout ça. Mais que dalle. Que dalle. Donc là, je suis en train de déplacer les dernières choses. Il faut que j'enlève ça là, avant qu'ils arrivent. Que j'ouvre accessoirement. Milios, je n'en peux plus. Et je vais vous poser en deux spies. Comme ça, je sais pas où je vais mettre ça. Je sais pas où je vais mettre ça. Il n'y a pas à arriver à 7h en fait. Il n'y a pas. Graousse, pack, pack, pack. J'en peux plus. 8h10. Non. J'avoue, je peux pas dormir. Non, c'est quoi ça? J'avoue, je peux pas dormir. Oh, ça va être la séance émotion. Ils l'ont pas monté. Hein. C'est à moi de le monter. Enfin, ils l'ont ramené chez moi, mais ils l'ont pas monté. Vous allez vous dire, eh, c'est un vieux truc et tout, mais j'ai jamais eu de canapé de ma vie acquis à moi, tu vois. Et le fait là d'en avoir un, je sais pas, c'est... Ouais. Je réalise pas. Le pire, c'est quand ça va être la cuisine, mais je crois que j'ai pleuré. Je crois que je vais pleurer. Je suis dans le coltard, mais je suis tellement contente. Attendez, je vous le montre. Je vous le montre comme ça. Donc, c'est un Ikea. Je vous mettrai la référence en bas. Non, je crois que j'ai pleuré quand mon lit va arriver tellement je l'attends, celui-là. Tellement lui, je l'attends. Il est bloqué, je sais pas où, là. Mais ouais, c'est un Ikea. Je vous mettrai la référence en bas. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Et bon, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. Mais... Wow. Bon, en termes des dimensions, je suis très contente. Ça a l'air de passer. J'ai encore un peu de place. Je crois qu'il va passer parfaitement. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait. Donc écoutez, comme je suis impatiente as fuck, je vais me motiver, je vais le monter. Ça doit pas être très très compliqué. Hein? Ça doit pas être très compliqué. Sachant que mon frère là... Oh,
Le gars va arriver à 17h. Il est 8h du matin. Et je vais pas attendre jusqu'à 17h. Hein, c'est mort. Donc écoutez. Je crois que c'est parti. On va monter le canapé. Je vais monter toute seule comme une grande. Chocobao for the result, nothing to discuss, cause I did what by fault, I'm without any doubt. I'm a me, I be a doubt, I know go feed the girl is out. I'm a mind that's with the talk, I put my life into my job, and I know I'm in trouble. She manipulate my love, I know holy, and I know that devil, like the baba fry, oh. Bon bah voilà les filles et les garçons. J'ai mon canapé. Bon bah vous l'avez vu hein. Voilà comment il rend. Il est archi beau. Bon, il y a quelques petites choses qui me dérangent. Déjà premièrement la couleur. Il est très très bien, je suis très contente hein. Mais la couleur, il est un peu plus gris que ce que j'avais imaginé. Je pensais qu'il allait être plus blanc ou plus blanc, comment on appelle ça, blanc chaud. Là il est un peu froid, donc écoutez, c'est pas très grave. Et deuxièmement, non, au niveau de la taille, je trouve que c'est parfait, trop, enfin je trouve qu'on est bien là, on est bien, donc voilà, ça avance petit à petit, mais ouais, il est très très beau. Il y a pas mal de lumière, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà, là j'ai laissé un petit peu de place pour une future prise et tout. Et du coup le frigo il va se décaler dès que toute cette merde là ce sera fini. Parce que je peux pas penser à ma cuisine là, mais je suis contente, il est quand même très confortable. Il est très confortable. Genre, je vais vous vloguer et je serai dans mon canapé, genre. J'ai pas les mots. Je vais enfin pouvoir regarder ma télé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous savez que depuis que j'ai ma télé, je ne la regarde pas. Hein. Bon, déjà, je suis pas très très télé. Mais en fait, flemme, j'ai pas de canapé. Donc là, je vais enfin pouvoir regarder ma télé. Je suis trop contente. C'est incroyable. Incroyable, il est parfait, il est grand. Je suis très contente de ne pas avoir pris un angle parce que je pense que ça aurait fait un peu too much, un peu trop imposant. Là il est pile ce qu'il faut et encore je trouve qu'il est légèrement imposant, mais parce que j'ai rien, j'ai pas de table basse, j'ai pas de tapis, j'ai pas de luminaire, enfin j'ai pas de cadre, ouais, donc ouais, mais ouais, je pense que je vais mettre des cadres derrière et tout. Ça va faire trop beau. Parce que là, c'est très. Poum. Tu vas poser en plein milieu, mais vous inquiétez pas, on va accessoiriser le tout. Mais je suis hyper contente. Vraiment.
très contente. Donc, écoutez, je vais kiffer un peu ma vie là, parce que voilà, le réveil il a été dur. Je vais allumer ma télé, je vais me poser, je vais appeler mes parents pour leur montrer. Et après, je vais commencer à ranger, nettoyer, descendre tous mes cartons, faire mes lessives, tout ça, tout ça. Je reprends juste après. Mais j'ai mon canapé. Remy Beauties, je vous retrouve, il est 20h. J'ai passé ma journée à nettoyer. Franchement, ça fait trop du bien. J'ai fait mes lessives et tout. J'ai tout rangé. Presque. Il me manque juste la cuisine. Mais la cuisine, vas-y, flemme. Je ferai ça demain ou un autre jour, parce que là, j'en peux plus. Mais ouais, j'ai tout fait. Ça m'a fait grave du bien. Et j'ai profité de mon canapé. Vous allez vous dire, ça y est, elle va nous faire chier maintenant avec son truc, elle. Non, mais ouais, je me suis posée. J'ai regardé les Kardashians. C'est grave stylé. J'aime bien le fait qu'ils soient passés, du coup, qu'ils aient changé de production. J'ai toujours regardé hein, depuis que je peux. Et ouais, j'ai bien aimé là, leur changement. Je crois que je suis à épisode 4 ou 5. C'est grave cool. Courtney, elle a l'air grave heureuse avec Travis et tout. Ça donne envie. Moi aussi, je veux trouver l'amour comme ça. Qu'on me fasse une déclaration et tout comme ça, qu'on m'emmène sur la plage, qu'on mette des roses partout et qu'on me demande en mariage. J'en ai marre de moi, j'en ai marre de moi. Et ouais, j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai descendu mes cartons. Franchement, là, il y a de la place, ça fait plaisir. Donc ouais, en vrai, il me manque que la cuisine et puis c'est tout. Donc ouais, et là j'étais en train de monter ma vidéo capillaire, il est 20h, la vidéo n'est toujours pas sortie, faut qu'elle sorte au moins à 21h30, au moins, si elle peut sortir à 21h30, j'ai un bouton là, si elle peut sortir à 21h30 c'est pas mal, c'est une petite vidéo, c'est une vidéo capillaire, je vous la remettrai juste ici, et moi j'ai toujours pas fait mes cheveux, mais c'est normal. Parce que j'ai envie de tester, j'ai envie de retester le produit Joico, vous allez vous dire mais... Toi, tu es folle ou bien c'est comment? Tu es folle ou bien tu es folle? Non, mais ouais, plus sérieusement, j'ai grave envie de le tester. Et du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me laver les cheveux. Et je vais mettre directement le produit. Une toute petite quantité. Vraiment minime, comme ça, sur tous mes cheveux. Et je vais essayer 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais me raser. Je vais faire ma douche et tout. Je rince et fin, je sors de la douche. Voilà ma routine capillaire aujourd'hui. On va voir si ça marche, si ça marche pas. Inch'Allah, ça fonctionne. J'espère que ça va me laisser les cheveux doux et que ça va pouvoir être une routine capillaire express mais qui hydrate de fou. Je sais pas si je vous fais une vidéo à part ou pas. Je vais d'abord tester là dans ce vlog et si ça fonctionne, je vous montrerai comment j'utilise et toutes les techniques, c'est mieux. Il y a un gars torse nu sur son balcon. Ok. Ok. Commencez pas, je vous vois venir. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. Dès que la vidéo elle est prête, ma priorité c'est que là, ça soit prêt. J'ai un petit souci de carte mémoire. Si vous voulez, j'ai une partie sur une première carte mémoire, l'autre partie sur une deuxième carte mémoire. Le problème c'est que mon adaptateur n'accepte qu'une seule carte mémoire. Donc je dois exporter tous les premiers fichiers sur mon disque dur externe. Puis ensuite rebrancher la nouvelle carte mémoire pour exporter les... Voilà. Problème de youtubeuse quoi. Donc ouais. Et puis voilà. Donc pendant ce temps là écoutez, je vais continuer à regarder les Kardashians. The Kardashians. Voilà ma petite vue. Depuis le canapé. Il y a mon aspirateur qui est encore là. Mes habits que j'ai nettoyés qui sont là. Mais voilà, mon plat, faites pas attention. Mais ouais, voilà ma petite vue. Il faut que je m'achète une barre de son maintenant. Parce que le son il est bien, mais j'aimerais bien que ça soit un peu plus. Donc ouais, je vais continuer à faire ça. Et puis je vous retrouve tout à l'heure ou bien demain. Je sais pas. Je suis éclatée par contre, parce que depuis là ce matin, j'ai pas fait de sieste. Hein. J'ai charbonné comme never. Donc ouais, je suis éclatée, exténuée. Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Merde, j'ai allumé ma machine.
ça va pas le faire. On est lundi, il est 21h10, je viens de rentrer chez moi, que je vous explique la story. Attendez, j'enlève mes AirPods. Que je vous explique la story. Aujourd'hui, je suis partie au taf, c'est lundi, tout s'est bien passé. D'ailleurs, oui, update hier, j'ai bien utilisé le produit de chez Joico. Et je me suis lissé les cheveux, comme vous pouvez le voir. Ils sont bien hydratés, je sens que ça leur a fait du bien. Une routine express, c'est exactement ce qui nous manquait, ce qu'il nous fallait. Donc, fluide, sans problème. Sans problème, donc voilà. Je vous ferai une petite update plus tard. Là, je continue de le tester, mais j'essaye de... Je vais voir jusqu'où je peux aller. J'ai mis une toute petite quantité, comme je vous ai dit. J'ai laissé poser ça sur mes cheveux. J'ai fait mes trucs de fille. Je me suis rasée, je me suis gommée la peau, je me suis lavée, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai rincé et puis je les ai séchés et lissés. Et ma foi, là, on a quelque chose. On tient quelque chose. On tient quelque chose. Bref, je vais au taf aujourd'hui. Tout se passe bien. On travaille. Quinquinquin. Maintenant, arrive l'heure de rentrer chez soi. C'est là que j'arrive en bas de chez moi. Je me rends compte que j'ai oublié mes clés de voiture au travail. Quand je vous dis que j'avais envie de serrer, mais c'est vraiment en plus en bas où je me suis rendu compte, je me suis dit ah oui ce matin j'ai fait ça, mes clés au lieu de les mettre dans mon sac, je les ai mis dans ma pochette d'ordi elle est au travail, comment je fais? Bah écoutez, j'ai pris ma voiture, je suis repartie au travail, ma collègue elle était encore là-bas donc elle m'a descendu les clés, j'étais hyper mal garée, j'espère que je vais pas recevoir une nouvelle amende à cause de ça. Et puis je suis partie directement après chez Cora. Vous-même vous savez, c'est l'heure des courses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et juste avant, je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Inspi Fragrance. Donc je suis partie à un événement, c'était quand? Vendredi dernier. Et en fait c'est ma copine qui a lancé sa marque de bougies. Donc je suis trop contente et ça sent hyper bon là. Donc j'ai pris un set, c'est tellement bien emballé. Regardez-moi ça, je sais pas si vous allez bien voir. C'est hyper bien emballé. Waouh, franchement, packaging au top du top. Ça se présente comme ça, j'aime trop. Putain, ça focus, c'est pas trop chou. Elles sont trop mignonnes. Donc j'ai Kaira, fleur de tiare et jasmin. Ça c'est ma cam ça. Ça c'est ma cam. Ça c'est trop ma cam. J'ai Elia Bergamote Frésia. Ça sent bon aussi. C'est plus doux. C'est plus printemps, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On a Elaya Fleur de Cerisier, la base. La base, la base, la base. Et Poema Melon Fleur d'eau. Et ça aussi. Oh là 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 là, rien de faire. Donc voilà, je pense que je vais m'allumer une bougie tout à l'heure quand je vais prendre ma petite douche. Et pareil, je vais en poser une sur ma table de chevet. Vous savez que je kiffe les bougies, donc voilà. Et m'a également donné deux brûleurs et une petite sucette qui sentent extrêmement bon. Oh, ça, non, vraiment ça sent bon. Elle a d'être ça. Elle a d'être ça, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je vais tout de suite placer mes petites bougies en fait. Non, je vais prendre une photo d'abord. Et ensuite, je les passerai. Donc voilà par rapport à ça. Et maintenant, les courses. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis repris un sambon parce que vraiment, ça fait la diff. Je vais pas mentir, ça fait grave la diff. Au début, je pensais pas, hein, mais on me l'a fait remarquer. À Skip, je sens trop bon. Oh, les filles, le parfum que je vous ai montré là, le nombre de compliments que j'ai eu, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, on va en reparler. Donc ouais, ça fait grave la diff. Je me suis pris des pâtes feuilletées parce que j'ai grave envie de tester les rouleaux là. Vous savez les sortes de croissants avec... je crois même que je vais faire ça ce soir parce que j'ai la flemme de cuisiner. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça.
ça là, les rouleaux, mais j'ai pas de sésame. Putain, j'aurais dû acheter du sésame. C'est ça mon problème. Bref. Ensuite, je me suis repris. Attendez, je porte ça là. Flemme. Je me suis repris une kombucha. 1 litre cette fois-ci. La vérité, ça fait la différence. Là, vous-même, vous savez, c'est le premier jour. J'ai besoin que mon estomac redevienne plein. En fait, il n'y a pas à être gonflé comme ça. Une sauce Old El Paso, parce que vous savez, Tacos Tuesday. J'aurais dû prendre des crevettes cette fois-ci pour essayer les tacos version crevettes. Un truc pour les toilettes. Des lingettes. Ça, c'est intéressant, ça. Du Sanitol pour le linge. Ça, c'est intéressant. J'en avais plus. Je me suis pris des essuie-tout, mais c'est pas intéressant. Des frites que je mets tout de suite au congélateur parce que ça commence déjà à décongeler. Hop. On part sur du saumon. Du salami, parce que drogue en fait. Lardon. Pour les petits, les petits croissants là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous mettrai une vidéo ici là. Avec la personne qui m'a grave donné envie de faire ça. Toujours pas rangé mon frigo, c'est une catastrophe. Bien évidemment, mes petites canettes. Bacon. C'est très healthy tout ça. Hein. Dinde. Vraiment très healthy. Hein. On adore. Donc ouais, franchement, si vous avez du mal à arrêter les boissons gazeuses et tout, je vous conseille, ça va vous rassasier en fait. Ça va vous rassasier l'envie. De la soupline. En vrai, c'est des petites courses. Je me suis pris ça pour le matin. J'aime bien. Céréales. C'est pas très healthy, mais... Vaut mieux ça que d'acheter un croissant. En vrai, je sais pas. Mais il vaut mieux ça parce que je dépense moins d'argent. Des perles de lait. Et mon amour, ma vie. Baillé du Nocciatella. Mais celui-ci. Vous savez, le Kinder Bueno là. La crème qu'il y a au milieu. Voilà, ça a le même goût. Le même goût que ce qu'il y a au milieu du Kinder Bueno. Faites attention, hein. C'est le clair, hein, parce qu'il y en a deux. Il y en a un clair, un foncé, c'est le clair. Bye. Trop bon. Ça, tous les matins, je fais ça avec une semaine. Trop bon. Et les tampons. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté. Il y a encore des trucs dans mon frigo. Et des éponges. Ouais. Donc, en parlant d'éponges, je vais faire ma vaisselle. Parce que hier, je ne l'ai pas faite comme je vous ai dit. Je vais re-regarder la vidéo pour voir si je peux me faire des petits roulés au air fryer là avec les la dinde. Aller me laver, dormir. J'en peux plus, je suis trop mal au ventre. Je suis trop mal au ventre en fait. C'est une dinguerie. I always want the truth, but it's dead.
got something real, my babe. You wanna get with me, stop. Yes, I'm hurting, yes, I'm jaded. Most of these things I don't wanna say. I won't be around while you chase. You wanna hear me up when you make it. You'll try and come back when you're famous. I always want the truth, but it's dangerous. You got something real, not basic. You wanna get with me, stop. Je viens de sortir de la douche. Je sens bon, je suis propre. C'est l'heure de manger. Donc voilà ce que donnent mes petites. Est-ce qu'on va voir? Mes petits croissants. Je vais en goûter un avec vous. Franchement, ça c'est le repas de l'après-midi. J'ai grave pas envie de cuisiner ce soir. Et pour celles qui se demandent, je fais ça avec mon air fryer. Parce que j'ai toujours. Enfin, j'ai un four, mais. Si j'ai sensible, c'est mieux, on n'en parle pas. Mm-hmm. C'est hyper bon. Simple. Et efficace, je vous jure. Mais voilà, des trucs comme ça. Ah, c'est bon, c'est pas prise de tête. Ah, c'est grave bon. Mm-hmm. Il n'y a pas à prendre des grandes bouchées comme ça. Hyper bon. Très facile à faire. Très rapide à faire. Rouler là, c'était un peu compliqué. Mais mis à part ça, une dinguerie. Je vous laisse. Je vais me poser sur bail. On regarde la télé chill. Et on se retrouve à... Je sais pas. Demain peut-être. Hello mes beauty. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps. Je sais, ça fait grave longtemps. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va. On est samedi. Il est 13h40. Il faut que j'accélère un tout petit peu. Parce que j'ai rendez-vous juste après. Mais écoutez, moi, ça va. J'ai passé 10 bons jours tranquilles, loin des réseaux sociaux. Attendez, je vais me poser en vite fait pour vous parler. Parce que j'aime pas cet angle-là. Donc ouais, dis bonjour en mode tranquille, sans réseaux sociaux, ma foi c'était très bien, il y a eu le 14 juillet, ça s'est bien passé, même si j'ai raté le feu d'artifice, mais vas-y c'est pas grave, ça c'est une autre story. La pire influenceuse du monde, je sais même pas si on peut dire que je suis influenceuse à ce point là. Mais ouais, ensuite le taf, la routine, les sorties, tout ça, enfin bref, la vie quoi. Donc ouais, je vous ai un peu délaissé, mais I'm back, guys. Ça va, je suis partie quoi, 10 jours, un truc comme ça, donc tranquille. Tranquille. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, samedi, programme, je sais pas encore, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai rendez-vous à 15h chez le dentiste. Parce que mes dents me fatiguent, il y a plein de choses à faire là et je suis pas contente avec le résultat que j'ai actuellement. Donc ça va au niveau de mes dents, mais vous voyez en bas, et hein, c'est pas aligné. Donc j'ai envie de me faire poser une sorte de Invisalign ou aligneur invisible comme ils aiment bien appeler. Donc voilà, juste pour en bas, en haut, c'est bien aligné mais c'est surtout en bas en fait. C'est la merde. Ensuite, on m'a arraché une dent il y a genre 4 ans. J'ai toujours pas posé d'implant. Donc j'ai un trou. Donc mes dents se décalent. Je n'aime pas ça. J'ai un pansement qui a sauté. Enfin bref, j'ai envie de retourner pour faire, on va dire, une vue globale de comment est-ce qu'il peut m'arranger. Et aussi, j'ai ici, je crois que vous allez voir.
Bref, au niveau de mon... Comment ça s'appelle ces dents? Incisives? Je sais pas. Les dents de devant là. Et ben, y a le bout en bas à gauche qui s'est un peu effrité. Donc en gros, j'ai un petit trou et j'aime pas. Donc on va voir s'il peut arranger tout ça. Bref, il y a un chantier, il y a du travail. C'est pas catastrophique parce que de manière générale, alhamdoulilah, Dieu merci, mes dents, ça va très très bien. Quand je parle, quand je souris, j'ai pas de problème. Mais c'est juste que j'aimerais level up un petit peu plus. Donc je vais faire ça. Et ouais, il y a plein de choses que je vous ai pas racontées aussi. Je me suis inscrite à une nouvelle salle. Et je pensais à ça en fait, pourquoi je vous ai pris ce matin, c'est que la balance Renpo là, elle est vraiment trop trop bien. Parce que du coup, je me suis pesée aujourd'hui et ça met à chaque fois genre le détail en gros de chaque truc. Donc là, c'est le Mass Body Index, donc on me dit qu'il est plutôt normal. Mon pourcentage de gras, il est acceptable. Il est acceptable. Je suis morte. Mais ma masse musculaire, elle est vraiment haute. Et mon pourcentage en protéines est très haut aussi. Donc je suis hyper contente parce que j'avais pas de moyen de mesurer ça. Donc franchement, la balance Renpo connectée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais ouais, je me suis inscrite à une nouvelle salle. Ça y est, je donne tout. Attendez, je vous pose parce que en vrai, j'ai pas le temps de rester là à rien faire. Donc écoutez, je vais faire ma vaisselle en même temps. Je sais pas si vous allez me voir, si vous allez m'entendre aussi. Mais sinon, je vous pose là. Je pense que ce sera mieux. Ouais, je pense que ce sera mieux. Donc je fais ma vaisselle, désolée si vous entendez du bruit. Mais ouais, cette balance, elle est vraiment bien. Et en gros, je me suis inscrite. Dans cette salle parce que j'en avais marre de fitness, peu importe l'heure à laquelle j'y allais en fait, les machines elles sont tout le temps prises, c'est la zone. Moi dans le fitness où j'étais dans mon ancien appart, il y avait une salle pour femmes, là il n'y en avait pas, donc j'étais pas trop à l'aise. Vous avez vu dans les derniers vlogs, franchement quand même, on va pas dire que je souffrais avant d'y aller, mais j'étais vla anxieuse quand même. Et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Et franchement, elle est trop bien, il y a une salle pour femmes. Il faut pas casser tous les verres, ma bénie. Il y a une salle pour femmes, il y a plein de nouveaux équipements et tout. Donc je suis grave contente, j'y suis allée hier, j'y suis allée mercredi et j'y suis allée lundi. Donc trois fois. Goal. Premier goal, de maintenir le rythme de 3 fois par semaine et d'y aller aussi une quatrième fois si je peux. Genre, comme ça je fais 3 séances de bas pour le corps, une séance et 2 séances haut du corps. Bref, si un jour je vois des résultats et que je suis grave régulière, je vous parlerai, je vous ferai des vidéos spéciales fitness pour savoir quel est mon programme, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, etc. Mais ouais, donc là, on va faire le petit déj. Et j'aimerais bien aussi, avant de partir, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était dans le vlog juste avant, Mélissa, elle me parlait de sa technique où tu poses tes faux cils en bas, en dessous de ton œil. Et ça te fait comme si tu avais fait des extensions de cils et tout, genre grave stylé. Et j'ai grave envie de refaire parce que j'ai déjà fait toute la semaine dernière. En fait, je les ai portés, je vous ai même pas montré. Et que des compliments les filles. On me dit t'as fait ça où, combien, ça fait combien, t'as payé combien et tout. Et quand je leur dis à la maison, j'ai payé ça, juste le prix des fossiles, les gens sont choqués. Donc j'aimerais bien faire ça avant de partir. Et franchement, pas besoin de te maquiller. Moi je les ai gardés 5 jours hein. Franchement j'ai forcé,
Mélissa m'a dit 2 jours, mais en vrai, ouais, 2-3 jours, c'est bien. Je me lavais avec, je me lavais le visage. Enfin, je faisais ma vie en mode normal, quoi. Les chiffres, j'ai 10 minutes. 11 minutes pour faire mes soi-disant extensions de cils. Donc, je vais vous montrer. Vous avez besoin de paires de faux cils. Moi, je vais prendre celle-ci ou celle-ci. Je vais prendre celle-ci que j'avais achetée sur Amazon. Peu importe celle que vous allez prendre. Une paire de... Comment ça s'appelle? Ça là. Pince à épiler et ma colle. Et des ciseaux aussi. Donc, ce que je vais faire... Je prends ton fossile. Attendez, je vais prendre juste... Voilà, tu prends ton fossile comme ça. Je vais d'abord couper les extrémités parce que ça m'intéresse pas. Donc les trucs comme ça, là, je vais les couper. Je crois que vous ne me voyez pas très très bien. Enfin, vous voyez pas très bien ce que je fais. Ok, et ensuite... Simple, et vous faites un miroir. Peut-être je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais. Ok, on va ouvrir le miroir. Je vais prendre le fossile du coup en entier et je vais le couper en petites parties. Donc je vais venir couper des branches qui font à peu près cette taille. Super. Donc, je les ai mis du plus petit au plus grand. Et je vais prendre ma colle et je vais les coller tout simplement. Commencer par ça. Vous n'avez pas besoin de mettre de mascara ou de trucs comme ça avant. Donc, je mets une petite quantité de colle. Comme ça. Je crois que j'aurai pas le temps. Hein. Je vais prendre et je vais le coller. Je pense que là vous allez bien voir. Et je vais le coller sur la racine. Si ça peut bien coller. Je sais pas si vous voyez. Genre comme ça. Et je vais venir répéter du coup cette opération. Voilà ce que ça donne. Du coup. Tout dépend en fait des fossiles que vous allez utiliser. Moi j'ai pris quelque chose de très naturel. Et j'aime beaucoup le rendu. Ça donne, je trouve, de la profondeur au regard, mais sans plus. Donc, écoutez. On va faire ça. Je suis en retard. Il est 50. J'ai pris 20 minutes pour le faire, mais tranquille. Écoutez, je vais arriver en retard. Et puis, s'il me recale, il me recale. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quel parfum je vais mettre aujourd'hui? Voilà, c'est ça mon problème aussi. On va mettre Bibliothèque de chez Byredo. Voilà, je vais prendre mon tote bag de chez Marc Jacobs. Il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. Vas-y, j'ai pas le temps de changer mes clés de voiture. Voilà. I'm dying. Je suis en train de mourir de chaud. Je suis désolée, vous allez entendre la clim vite fait. Attendez, je l'enlève. Mais, ouh, j'ai bien eu mon rendez-vous. Donc
J'ai des caries, donc ça c'est génial. Moi je comprends pas, je me lave archi bien les dents pendant longtemps en plus. J'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le coca, mais en gros il m'a dit c'est parce que tu n'utilises pas le fil dentaire. Et j'avoue, j'utilise pas de fil dentaire, donc écoutez, on va aller acheter un fil dentaire. J'ai rendez-vous avec un autre médecin, en gros c'est un centre de santé, la semaine prochaine, pour traiter toutes les caries, les trucs comme ça et tout, donc il va tout traiter. Invisalign, ils en ont pas encore, donc j'ai trop le seum, mais il m'a dit avant ça, va poser ta couronne, je vous ai dit j'ai un trou. Bref, on m'a arraché une dent, j'ai toujours pas fait le truc. Donc... Donc il m'a dit ouais va mettre ta couronne parce que dans tous les cas même s'il y a de l'espace là bah on va pas l'utiliser parce que sinon ton sourire va être décalé. J'ai dit ah ouais pas bête. Donc je vais prendre donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Ensuite je vais reprendre rendez-vous avec mon ancien dentiste et ensuite j'irai le voir pour faire Invisalign. Voilà petit programme. Donc là il est 15h30, 15h40, je vais retourner vite fait chez moi parce que je dois passer faire un petit truc. Et je me tâtais soit aller à Brico Dépôt pour regarder vite fait et ensuite aller à Jiffy. Mais je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Brico Dépôt, Jiffy et puis on verra. Donc ouais, c'est parti. Je remets la clim parce que j'en peux plus là. Bon, donc je trouvais les poubelles mais elles sont toutes moches. Elles sont toutes lâches. Attendez, je vous montre. Franchement, elles sont trop moches. Il y avait celle-ci au pire, mais elle fonctionne même pas. Elle est cassée. Mais il n'y a rien. Et celle d'en haut, là, je crois que j'aime pas. Donc ouais, je crois qu'on va aller chez Jiffy. On va aller chez Jiffy. Tapis d'intérieur, c'est quoi ça, tapis d'intérieur? Il faut aussi un paillasson. Tout simple. Enfin, s'il y en a un ici, je pense que je vais prendre ça. Hein. Ça, c'est bien ça. Ça, j'aime bien. Il est comme ça. En vrai, je sais pas. Hein. C'est bien ou pas? J'en ai aucune idée. Non, tout le reste, je crois que j'aime pas. Tout le reste, j'aime pas. Bon. Je suis à Auchan, mes beauties, avec une abonnée Maïva, mais elle veut pas être dans le vlog. Elle est pas prête, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et puis, j'espère qu'on se reprendra. En tout cas, t'es au top. Ah, c'est gentil, merci. Allez, bisous, salut. Trop mignonne. Trop mignonne. Et du coup, ouais, je suis à Auchan. Et désolée, Maïva, si je t'ai fait la bise. En fait, j'étais trop contente de te voir, mais c'est vrai qu'il y a Covid et tout, donc... voilà. Je cherche du kombucha parce que j'ai plus de kombucha. Mais là on est dans les bières et nous on boit pas d'alcool. Donc je sais pas s'ils en vendent. À chaque fois pour trouver le kombucha c'est une galère. Ici. Mais j'utilise. Je suis arrêtée à Jiffy. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai arraché les cils ici parce que. Il y en a un qui est rentré dans mon œil. Bref, vous allez dire, je suis difficile, mais j'aime aucune des poubelles là qu'il y a. Donc. Ouais, elles sont vraiment toutes moches. Il y en a aucune. Bah, si celle-ci elle était en noir encore à la rigueur, mais elles sont toutes moches, frère. Voilà, elles sont comme ça. Déjà, qui va prendre ça? Qui? J'en veux juste une carrée noire, simple. Celle est à moitié ouverte. Celle-ci, ouais, mais vas-y, le couvert, j'ai peur de m'en saouler, enfin de m'en lasser.
Et au pire, il y a celle-ci, mais elle est rose. Et elle est cabossée. Donc, j'aime de la ramener, mais c'est très bien. Elle est cabossée. Elle est cabossée, donc non, je vais prendre ça. Sinon, j'en prends une petite de 20 litres, là. Je me dis, ça va être trop petit, ça. Ça, c'est la bonne taille, 30 litres. Mais à voir. Mon dernier magasin qu'on essaye. Après, moi, je rentre chez moi. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Je suis KO. J'ai mal à la tête. La Farfouille. Et je crois que c'est à La Farfouille que je l'avais vu parce que j'ai demandé à dire. Et ouais. Et il faut absolument, quand je rentre à la maison, que je refasse cet œil-là parce que ça va pas du tout. Mais celui-là, il a plutôt bien tenu. Il a plutôt bien tenu. Je sais pas. Il y a un reflet bizarre, là. Non, c'est moi. Il y a peut-être un peu de colle qui se balade, mais bon, je reverrai à la maison ce que j'ai foutu, parce que ça va pas du tout. On en a marre, les nerfs sont tendus, ouais. J'en ai marre de moi. J'ai trouvé ma fameuse poubelle, mais elle est cabossée. La vérité, je vais pas l'acheter. Il est hors de question que je parte avec une poubelle qui est cabossée, en fait. Vous allez lui dire, je force de fou, mais non. 50 euros pour un truc qui n'est même pas bien. Non. En fait, il en reste deux. Il y en a une, elle est un peu bancale. Tu vois, elle tient pas trop droit et tout. Attendez, je vous montre. Il y a celle-ci. Bon, déjà, elle est hyper sale. Mais vous voyez, elle est pas bancale. Elle est bancale. Elle est bancale. Je crois qu'il lui manque un pied. Je la prends pas. Du coup, il y avait celle-ci. Beaucoup plus propre, tout ça. Mes frères, qui va prendre ça? Qui va prendre ça? Mais oui, sinon il y en a d'autres. Il y a celle-ci là, mais je sais pas à quoi elle ressemble. Elle peut être pas mal. 30 litres. Mais elle va être un peu plus. Je pense qu'elle va être plus. Oh putain. Sinon il y a un rond comme ça, mais. Bon, mes beauty, ça y est, je suis bien entrée. La poubelle est là, finally. On va enfin pouvoir lâcher ma veste là. Donc elle est là. Bon, au final, elle passe bien, ça va. J'aime bien. Faut que je la nettoie parce que du coup, j'ai mis le paillasson à l'intérieur et il y a plein de trucs. Donc voilà la petite poubelle. Et le paillasson, il est là. Donc je vais venir l'installer tout de suite. Je dois juste retirer ça là. Voilà pour ça qu'ils se demandent c'est quoi la référence. Et on va venir installer ça en fait. Je sais pas où c'est moi. Ça, c'est fait. On adore. Et par contre, je suis la seule à en avoir un. C'est mieux, on ne le vole pas. C'est mieux, on ne le vole pas. Bon, je crois que je vais aller faire des petites courses parce que du coup, j'ai pas eu le temps d'aller à Cora. Et puis, je vais me poser. Et je pense que je vais même commencer ma routine capillaire maintenant. Comme ça, après, je suis tranquille. Je vais laisser poser le masque toute la nuit et tout. Enfin, je sais pas. Une partie de moi me dit, ouais, vas-y, fais ça. Et une partie de moi me dit, vas-y, viens, on attend demain, ma soeur. Viens, on attend demain. Donc, je sais pas trop. Hello, mes beauty, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Je suis en train de faire ma routine capillaire. Écoutez, hier, je passais une bonne fin de journée. Je sais plus ce que je faisais. Mais moi, quand je suis rentrée, je me suis commandé à manger.
Je crois que je me suis commandé Géladal parce que j'avais vraiment vraiment faim et j'avais envie de manger un truc bien gras. Et puis je me suis endormie devant Manifest. Franchement, je suis à la saison 3. Je crois que j'ai regardé que 4 épisodes et tout le reste j'ai dormi. Je sais pas, ça m'intéresse pas vraiment. Donc je pense que cette série ça va être next. Ou bien pour faire passer le temps. Et là j'ai commencé Euphoria. J'en suis à l'épisode 1. Mais ce truc c'est un film d'adulte en fait. Je suis un peu choquée. Des scènes, peut-être moi je suis trop vieille maintenant, mais ouais, je suis un peu choquée des scènes. Bref, j'ai fini ma routine capillaire. Je suis en train de vous filmer ça et de vous montrer en même temps comment j'utilise mes poudres indiennes. La préparation est juste là, est-ce que je vous la montre? Ouais, sneak peek, je vous la montre. Ma petite préparation que je vais mettre dans mes cheveux. Donc la vidéo sortira bientôt normalement. Donc je vais m'appliquer ça sur les cheveux, je vais laisser poser, je vais rincer, je vais faire un masque et puis ouais. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée franchement pour mon implication dans cette vidéo cette semaine. Franchement, je vous ai délaissé. Je vais essayer de me rattraper. Je vais essayer de me rattraper. Et puis ouais, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et d'ici le prochain vlog, je vous dis, je vous fais de gros bisous. Ça se voit que je suis éclatée ou pas? Non, mais c'est parce que je sors d'une sieste là. Je suis éclatée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Peace.